Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec notre tour de course pour la semaine, donc du fin août jusqu'au 4, 5 septembre, ou même va jusqu'au 6. On commence à l'entrée du magasin par les promos moins 70%. Il y a du gel douche Tahiti, les 6 à 3,87 € au lieu de 12,90 € bien sûr, en mettant 9,03 € sur sa carte fidélité qu'on utilisera la semaine d'après pour faire ses courses quotidiennes, ses courses normales. Moi, j'adore ce genre de promotion parce que vraiment, j'achète des produits de qualité, des produits de grande marque pour très très peu et bien sûr, on rembourse la différence. C'est pareil, c'est le cas dentifrice Oral-B. C'est par deux à moins 70%. Toujours le même principe, une réduction pas immédiate mais sur la carte de fidélité. Pour cette semaine-là, j'achète pas ce genre de produit pour le mois de septembre, comme j'ai déjà fait un bon stock les dernières semaines entre juillet et août. J'ai fait un bon stock de gel douche, de shampoing, un petit peu de shampoing, pas trop, mais beaucoup de gel douche, beaucoup de lessive et beaucoup de dentifrice. Donc, ça sera que des produits pour la semaine. On a en bon plan la viande, donc les cuisses de poulet à 19,96 € les 10 kilos quand même. C'est une très très bonne affaire. On a également le blanc de poulet, les poulets entiers. Il y a de tout à l'entrée du magasin. Les prix sont réduits, c'est exceptionnel. Il y a un catalogue halal cette semaine dans ce carrefour-là. C'est Carrefour Grand Littoral. Je ne sais pas ailleurs si c'est la même chose ou pas. N'hésitez pas à installer l'application et vous aurez les bons catalogues de votre propre magasin que vous fréquentez habituellement. Et bien sûr, vous aurez la carte de fidélité. Moi, tous ces produits-là, je n'achète pas pour cette semaine comme j'ai un peu de stock à la maison. Là, on a la vache qui rit, les 2 plus 1 offert, ce qui nous fait 9,98 € les 3. Donc 3 € environ, 33 centimes paquet. Ça vaut vraiment le coup. J'ai fait cette promo en juillet, fin juillet, donc j'ai eu 3 boîtes. Croyez-moi, il me reste encore un petit peu. C'était le cas des Kiri aussi. Donc on a encore déjà de la semaine dernière des fromages à la maison qui nous restent. J'aurais besoin cette semaine que d'un peu de yaourt pour les enfants, comme il nous reste les yaourts nature. Là, on est côté produits date courte, donc anti-gaspillage. Soit parce qu'il y a un petit défaut d'emballage, il y a un petit défaut quelque part, ou tout simplement les dates sont courtes. Il y a vraiment de tout. J'ai regardé s'il y a du café comme la dernière fois, du sucre, des produits de base, mais il n'y avait pas. Là, vous voyez, la boîte, elle est écrasée sur le côté, donc ça reste dangereux, ce genre de produit. Enfin, selon nos scientifiques, ça reste dangereux pour la consommation. Il y a également des moules à moins 50% parce que la date est courte. Donc, ce sont ce genre de produits avec lesquels on peut réduire le budget, bien sûr, acheter et mettre au congélateur. Il y a pas mal de promos côté poissonnerie, donc c'est des lots de 3 kilos. Pour les sardines, ça a augmenté de 25 centimes seulement cette semaine par rapport à la semaine dernière. 25 centimes par kilo, c'est vraiment presque rien. Il y a 13,40 € un tout petit poisson, j'ai oublié le nom, excusez-moi, que je ne connais pas. Il y a les sardines, en plus, ça m'a dit qu'il y avait beaucoup d'arêtes et que c'est pas bon. Ça ressemble au maquereau, donc pas la peine. Là, les sardines à 8,25 € les 3 kilos. Je voulais tellement prendre, mais à la dernière minute, avec la facture qui est montée tellement vite, j'ai pas pu les prendre, mais j'en ai encore en stock dans mon congélateur, au moins 1,8 kg. Là, passons aux choses sérieuses pour le mois de septembre. J'ai pris du sel fin, donc des paquets de 500 grammes à normalement 49, non 44, oui, la dernière fois c'était 49 centimes, aujourd'hui c'est à seulement 44 centimes. Donc j'ai pris 2 sachets. Comme c'est un peu humide chez moi, je prends plus les paquets en carton, mais les sachets en plastique. J'ai également à prendre quelques épices. Alors cette marque Colombo, elle est juste top. Je cuisine avec ça, j'achète épices Colombo, spécial tagine ou spécial couscous. Avant, je prenais ça au marché de la plaine, mais c'était date courte. Mais là, quand je tombe sur ça chez Carrefour, je préfère les prendre à Carrefour. Alors pour tout ce qui est poivre noir, sel de table et tout, c'est à 99 centimes. Et pour les autres, j'ai vérifié bien sûr, comme le prix n'est pas bon au rayon. Pour le poulet, c'est 1,39 €. Et pour le mélange, pour le poivre blanc, c'est 1,68 €. Et pour tout ce qui est mélange couscous, tagine, pizza, pâte, poulet et tout ça, c'est entre 1,38 € et 1,65 €. Il n'y a pas une grande différence, donc ça vaut vraiment le coup. Surtout que ce n'est pas des 100 grammes que, comme dans les sachets Samira et autres marques, mais ce sont des 175 grammes, ça vaut vraiment le coup. Pour ce qui est protéines végétales, on a les petites lentilles blondes à 1,05 € seulement les 500 grammes, ce qui fait 2,10 € le kilo. 2,02 €, vous trouverez ça nulle part, même pas au marché. Au marché, ça coûte 2,50 €.
Et en regardant les autres légumineuses, les lentilles blondes restent les moins chères, elles sont trop bonnes. J'ai déjà pris ça en Eco Plus l'année dernière chez Carrefour. Et franchement, elles sont très très bien du premier prix. Moi, j'ai encore du stock à la maison, mais je prends un tout petit comme ça pour faire des salades. Pour tout ce qui est pâtes et riz, je ne prends pas, comme j'ai déjà fait avec vous les mois précédents, un bon stock alimentaire de pâtes et de riz de côté. Du coup, pour le moment, je n'ai pas besoin, je prends que ce dont j'ai besoin. Je fais mes courses à la semaine et dès que j'ai de l'argent en plus, je saisis les bonnes affaires comme la dernière fois chez Intermarché pour faire du stock. Alors là, c'est un jus shot. Un jus immunité, vitamine D, C et tout. J'ai lu un petit peu à base d'orange, gingembre et d'autres fruits. C'est du emballage 100% recyclé, c'est sûr, mon avis, le rend gratuit. Là, ce sont des produits que je vais prendre gratuitement. Pour ce qui est des yaourts, je cherche en ce moment les 2 plus 1 gratuits, où le premier plus 60, moins 60% sur le deuxième, ça vaut vraiment le coup. Mais ce qui me plaît le plus, c'est les 2 plus 1 gratuits, parce que c'est moins cher. Je me dis, on a des yaourts naturels à la maison, je prends que ça pour le petit-déj des enfants, sachant que mes enfants ne boivent pas de lait le matin, ni le soir d'ailleurs. D'ailleurs, on achète très très peu de lait. En ce moment, j'achète plus les packs de lait comme avant. C'est deux briques et ça tient une éternité, sauf pour faire des brioches, des crêpes et autres. En vérifiant les prix dans les rayons, alors 2 plus 1 offert, bien sûr, ils vont appliquer le prix du produit moins cher. Et là, c'était une catastrophe. 4,75 € les yaourts petits Danonino. Alors que marque Carrefour à 3,78 €, j'ai décidé au départ de prendre marque Carrefour. Mais bien sûr, derrière moi, en pleurniche pour les yaourts à boire, c'est l'école, ceci, cela. J'ai regardé marque Sensation Carrefour. Des mini yep, ça coûte normalement 2,05 €. Donc, je décide au départ de prendre ça. Les bouteilles sont un peu petites, mais c'est pas grave. Le matin, ils mangent pas beaucoup. Donc, je prends deux, ça me fera au moins 16. 16 petites bouteilles. Mercredi, il n'y a pas école. Parfois, on fait une omelette le matin. On se fait quand même un petit déj, un bon petit déj quand on est à la maison. Mais les jours d'école, c'est important. J'ai pris ces deux-là et bien sûr, je continue l'aventure. J'espère que vous me direz en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo où je fais les courses avec vous en même temps ou vous aimez seulement le retour de course à table. Pour ce qui est des œufs, ça coûte 4,59 € les 30. Bien sûr, c'est marque Simpli. C'est le premier prix de Carrefour, mais le calibre est assez important. Le comparant avec U ou Intermarché ou d'autres enseignes où j'ai déjà acheté, franchement, il reste les meilleurs. Ça expire le 22 septembre. Donc, j'ai pas pris deux pour ne pas dépasser mon budget. Toujours avec les produits, mon avis, le rend gratuit. La marque, la crème fraîche extra épaisse, 17% de Brie Délice, quand même, c'est une grande marque. Les 2 plus 1 offerts. Si j'avais rien à la maison, il ne me restait pas dans mon stock, j'aurais pris directement. Et en même temps, le produit gratuit. Mais là, j'ai pris que le produit gratuit. Pour le Yop, c'est des grandes bouteilles quand même par rapport à tout à l'heure. C'est en promo, c'est à 2 euros. Donc je me suis dit, j'avais la flemme de retourner vérifier le prix au kilo. J'ai vu que les bouteilles étaient grandes. Quand même, en plus, c'est du Yop. J'ai pris directement deux et j'ai remis la première marque de chez Carrefour parce que celui-là me coûte moins cher. Pour ce qui est des salades, surtout pour les gamelles de mon mari, pour le boulot la semaine prochaine, je prends de la salade à 1,29 € les 3, de la sucrine, mais en caisse, on ne paye que 99 centimes. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Pour ce qui est des carottes, je pense qu'elles étaient à 2,29 €. Je vous montre tout, hein, par la suite. J'ai pris 4 belles carottes. Quand même, c'est des grosses carottes. En plus, elles sont longues. Je prends ce que dont j'ai besoin, les filles. Vous voulez réduire votre budget? Vous voulez pas être à découvert, ben ça coûte 2,29 € le kilo, donc ça m'a coûté 90 centimes, ça vaut vraiment le coup. Avec ça, je pourrais faire 3 voire 4 repas. Je mets ça dans ma soupe, je mets ça dans mon couscous, je mets ça en petit dé avec mes légumineuses. Vous voyez, donc ça vaut vraiment le coup. Par contre, le grand sachet qui coûte à 3,75 € 1,5 kg, je pense, ça reste trop trop cher pour que des carottes. Alors, à 2,29 € 2 kilos de pommes. Là, ça vaut vraiment le coup, c'était pas cher. D'ailleurs, j'aurais dû prendre deux, elles sont juste succulentes. Je viens d'en manger, elles sont juste top. Bien sûr, il faut regarder s'il n'y a pas une qui est pourrie, qui a infecté le reste des pommes. Donc, il y a deux couleurs. Mais mes enfants préfèrent les rouges. Donc, j'ai pris les rouges. On se réfère toujours au dessin animé, vous savez. Du coup, j'ai pris les rouges directement. Donc ça va, un peu de carottes, un peu de salade et
Des fruits. Alors, pour les fruits et pour la fraise, une toute petite barquette coûte 2,50 €. C'était pas possible. Les bananes 5 doigts à 99 centimes. Il y en a plus. La banane coûte 1,89 € le kilo. Donc, je n'ai pas pris pour cette semaine. J'ai eu un don de raisin d'une chère amie, de raisin blanc gratuit à la maison. Du coup, ça vaut le coup. Donc, on profitera de ça et et des pommes que j'ai prises. Alors, les carottes, j'ai pris 500 grammes pour 1,15 €. Tout simplement parce que les carottes sont chères. Ça va beaucoup me dépanner en salade. Pour ce qui est des trucs ménagers, des produits d'entretien, j'avais besoin en urgence de liquide vaisselle. J'ai pris à 85 centimes. 1 litre de la marque Carrefour. C'est vrai que c'est pas le top du top, mais ça dépanne beaucoup quand on veut réduire son budget course. Croyez-moi, entre premier prix, date courte, anti-gaspi et promo, vous pouvez vous retrouver. C'est à vous de choisir le bon produit, le bon plan, la bonne promotion pour pouvoir réellement réduire votre budget et ne pas le dépasser. Surtout, éviter le découvert bancaire qui est un vrai cauchemar pour tous les ménages en ce moment. Parce que tout augmente, c'est la rentrée scolaire. Malgré la prime de rentrée scolaire, tout est cher. Les cahiers sont chers, les stylos sont chers. La vie est chère, hein. Avec l'augmentation, pardon, de l'électricité et tout, il faut vraiment faire gaffe à tout ce qu'on dépense, quoi. À part les factures, la nourriture, si on peut faire attention de cette façon-là, ça reste quand même bon pour notre budget. Voilà mon petit panier. Là, je vais tout déposer en caisse. J'ai pas pu avoir mes produits gratuits qui étaient le jus, la crème fraîche, quoi d'autre? J'avais récupéré des bonbons Tic Tac aussi. Donc mes 4 produits gratuits, j'ai pas pu les avoir parce qu'il n'y avait pas de connexion chez Carrefour. Du coup, elles n'ont pas pu lire le code-barre. Oui, c'est vraiment dommage, j'ai pas pu les avoir. J'étais obligée de les laisser désabandonner en caisse. J'aurais dû, avant de sortir de chez moi, les prendre en capture d'écran, mais j'ai pas l'habitude avec ce Carrefour. Avant, à Bonneveine, il y a la connexion, il y a le réseau à l'intérieur du magasin, donc on passe de l'application directement, c'est facile. Mais là, la prochaine fois, je prendrai ça, je ferai une capture d'écran. Donc, c'était par rapport à ça que j'ai remis mes produits gratuits. Je les ai laissés en caisse, ils vont les remettre au rayon. Même si je lui ai montré la confirmation, le code barre et tout par mail, mais elle voulait rien savoir, elle veut des gros chiffres, un code barre directement prêt pour scanner. C'est normal, c'est une caissière, elle n'a pas le temps. Alors, pour ce qui est de mes courses, ça m'a coûté. Au départ, 30,89 €. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça m'a coûté 30,89 €. J'avais 2,89 € exactement sur ma cagnotte. Donc, je les ai utilisés. J'ai mon bon de 10 € de la dernière fois à partir de 20 € achetés. Donc, deux bons, un utilisé cette semaine et l'autre la semaine d'après, début septembre. Donc, j'ai utilisé ce deuxième bon de réduction, donc bon d'achat de 10 €. Ce qui m'a fait en tout à payer 18 € seulement. Donc j'ai payé 18 € pour toutes ces courses-là. J'étais très contente. La prochaine fois que je partirai en course, je vérifierai les dates du deuxième bon d'achat de 10 € pour ne pas le rater. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Ciao!